marchande dans du EQ, elle fait des massacres. 5 apparitions, 18 kills, 90% de kills. Violent. Par contre, Mastermind, lui, non. En duo Q, 16 apparitions, 22 kills. 34% de kills, c'est très peu. Ah, c'est Pig. C'est la Pig. Elle est pas sur la meilleure RNG. Hein. Ça, c'est la meilleure RNG survivant. Voilà. Là, on est sur la meilleure Springwood du jeu, je vous dis. Voici la meilleure Springwood du jeu vidéo. Cette map en survivant, c'est n'importe quoi. Elle est overbroken. Tu vois, autant que Xenomorph. Moi je suis le premier à gueuler dessus parce que c'est insupportable à affronter. Autant cette map, elle est overbroken. Là vraiment on est sur la meilleure RNG possible en suivant. Je peux pas rêver mieux, hein. C'est n'importe quoi. C'est quoi? Je vais pas redescendre. Parce que le gros souci, si je redescends, j'ai peur de déranger quelqu'un sur un gène. Donc je vais pas descendre. Tu vois là je pourrais baisser les palettes comme je veux. Enfin je le fais pas forcément mais là si je veux je baisse la palette. Enfin c'est n'importe quoi cette palette. Je vais pas la baisser, je préfère me prendre le 8 hein. Voilà, parce que je t'ai dit, à côté d'un gène, j'aurais dû baisser, hein, fois 1000. D'ailleurs, là, je m'arrête pas et tout, je prends beaucoup de risques. Parce que je devrais m'arrêter, hein. Je prends trop de risques. Mais, j'ai pas envie de gâcher les meilleurs spots là-bas, tu vois. Pourtant, je devrais, hein, mais bon. J'ai pas envie de les gâcher. Tu comprends? Là, je vais à l'intérieur, c'est pas le meilleur choix possible que j'ai fait, mais bon. C'est un choix qui me assure la sécurité de l'invincibilité sur ce mouvement. Après. Peut-être elle va faire un demi-tour de brain de fou. Et ce sera bien joué, mais tu vois, là je suis quasiment invincible. Hein. Là elle peut que passer là, elle est obligée de casser. Enfin, si elle peut pas faire autrement. La map, elle, non, elle est vraiment. Cette map, quand ils vont la modifier. Enfin, tu vois, la pig là, si elle me suit, je peux la loupe 5 générateurs sans aucun problème. J'ai pas le droit à l'erreur, certes. Comme tout le monde. Mais là, c'est abusé la map. Regardez, je peux vous faire un circuit de map si vous voulez. Hein. C'est nimp. Et encore, je suis gentil. Parce que là, je lui propose vraiment de presque me choper. Là, elle s'accroupit, je suis mort. Tu vois, je lui propose vraiment, vraiment du gameplay. Hein. Tu vois, je lui propose vraiment du gameplay. Hein. Pas ça n'importe comment. Je lui propose vraiment de s'en sortir. Mais la map est tellement broken. Dès que t'as une palette que t'as plus, hop, tu peux la ravoir. Ça n'a aucun sens. Attention, j'en sorte vraiment. En fait, non. Alors, est-ce qu'elle passe par là? Oui. Là, vraiment, je vous montre la meilleure map du genre suivant. La meilleure RNG possible. Y a pas mieux, hein. Si elle me suit, les gars, je vous jure. Hein. Si je fais pas d'erreur, parce que je peux faire des erreurs, ça arrive à tout le monde. Et si je fais pas d'erreur, c'est fini, elle peut rien faire là, quoi. Et encore là je joue pas très bien parce que je retourne dans une zone un peu dead. Bah ouais, je suis obligé de baisser par exemple. Mais bon, elle me permet de jouer comme je le veux donc c'est cool. Et là ce qu'elle a fait c'est pas bien, elle a cassé, c'est pas bien, fallait pas casser. Là après j'ai ma cabane, voilà. Elle s'est mise en difficulté pour rien. Peut-être soif de sang m'a rattrapé, remarque hein. Non. Écoute, elle se contente de tout casser. Et en cassant, elle perd sa soif de sang, donc je comprends pas trop. Normalement, ça a brain. Hein. Merde, j'ai pas volé. Ah merde. Aïe aïe aïe. Dommage. Oh punaise, si je réussis à dodge, je peux avoir ma palette après. Bien joué, tu peux me casquer si tu veux. Elle a oublié de me casquer. Bon, là, c'était dur, hein. J'aurais dû aller sur le côté d'herbe. J'aurais dû foncer tout droit et me dire que c'était bon, quoi. Bien joué, bien joué. Mais ouais, la map elle est abusée. Et encore, moi j'ai vraiment pas voulu trop insister sur les bonnes palettes là-bas au fond. J'ai vraiment voulu la faire tourner sur le plus grand, comment dire, le plus de déplacement possible. Parce que j'ai pas voulu trop profiter des looks. Ah, non mais cette map, c'est regardez toutes les palettes, c'est vraiment abusé. C'est trop fort en sur, ça c'est clair. Après voilà, si t'affrontes une Nurse ou un Blight, ils s'en bat les reins, ils te déchirent en deux. Hein. Mais si t'affrontes une Pig comme elle qui suit un par un. C'est dur pour elle, tu vois. C'est dur pour elle. Et encore, j'ai essayé de me mettre en difficulté quand même, à peu près. Hein. Ah, elle a activé mon casque.
tristesse. Salut Brise-Nuque, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. C'est pas important d'aller bien. Je crois que je passe P2. Tristesse. Oula, elle a pris le chemin le plus long possible pour me déhook. Elle avait un tout droit à faire. Ah ok, ça va, je suis pas P2. Elle va rester sur moi pour me tuer en s'accroupissant. Ça j'ai capté, y'a pas de soucis, je l'accepte. Pas un problème. J'ai l'habitude de ça. Chaque fois que j'affronte une pig, c'est comme ça maintenant. C'est la nouvelle mode chez Pig. Alors est-ce qu'elle va s'accroupir? C'est pas sûr hein. Et c'est pas sûr hein. Bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué. Elle va juste me suivre à fond, mais c'est bien. Eh, ce sera loop 5 gen. Oh, les gens veulent protéger, c'est gentil, mais ça sert à rien. Moi, je suis condamné. Tout ce qu'il faut faire là, c'est faire le dernier gen, ouvrir la porte et c'est tout. Y'a que ça à faire. Ça m'a surprendu qu'elle tape pas alors qu'elle devait taper. Elle devait taper fois 1000. Ah merde. Celle qu'elle a tapé, elle a amené dans cette zone, c'est dommage. Ok, je me prends la P2 du coup, mais c'est pas grave. Parce qu'en gros, celle qui s'est fait taper, l'a amené dans cette zone, c'est pas cool. Ah, elle a mangé la feinte. Oh la protection, ça c'est bien joué par contre. Ça c'est bien joué ça. Moi j'ai foutu et condamné, sauf si tout le monde sort. Peut-être j'ai la trappe. Ça veut dire, il faut que tout le monde sorte quoi. Mais c'est cool hein, moi j'ai pris un plaisir fou dans cette game. Je me suis vraiment amusé de fou. Tu t'accroupis pas? Pas hésiter à t'accroupir hein. Elle veut que mon casque descende je pense. Elle a cru que je suis parti? Ou elle a fait ça pour que mon casque descende? Elle a fait ça pour que mon casque descende, c'est assez logique. Ça n'avait pas de sens de faire ça sinon. Faut juste que les autres sortent, tout simplement. Après, lui, il doit faire son casque d'aller chez moi. Mais sinon, faut juste que les autres sortent. Elle, c'est la copie, c'est logique. Ou alors, elle chase d'aller chez moi, c'est possible. Moi, je suis foutu, j'ai pas le temps de faire des casques. Mais c'est pas grave, on a bien joué. Salut Brise-Nuque, mais je crois que je t'avais dit bonjour. Il doit y avoir des défis avec la caution, car hier, je suis tombé 3 fois dessus en 6 games. Peut-être. C'est possible. La compétence de Kate, pour toi c'est un must-have. Je vois tout le monde la jouer. Enfin, personnellement, parfaite occasion, je trouve que c'est une pure dinguerie. Mais vraiment, c'est vraiment une pure dinguerie, parfaite occasion. C'est abusatif comment c'est fort. Mais en même temps, ben c'est fort, mais je sais pas comment expliquer. Tu peux t'en passer. Moi, je peux m'en passer, mais là en l'occurrence sur la map, ça a clairement été profitable pour moi, tu vois. Après, on n'est pas tombé contre un bon joueur, attention. Hein. Cette pig. Et encore, je suis tombé parce que voilà, je joue au con. Je m'amuse à extendre les loops alors que je pourrais très bien ne pas les extendre. Je m'amuse à essayer de naviguer dans toute la map pour vous montrer toute la map. Parce que là, je voulais vraiment vous montrer la force de la map, quoi. C'est vraiment, c'est incroyable. La map est incroyable. Je sais qu'elle arrive, hein. J'aurais peut-être pas l'occasion de la voir arriver d'ailleurs. C'est pareil, là je reste ici. Alors je pourrais me mettre devant la porte et c'est bon, je peux sortir, tu vois. C'est juste que, vu le niveau de la pig, je me dis autant en profiter quoi. Tiens, je peux même pas me soigner. On va regarder en bas s'il n'y a pas un coffre. Tu aurais même cassé le totem, c'est quoi. La dernière fois contre pig, j'avais pu sortir sans enlever le casque. Ouais, si le casque t'est mis après que les 5 gènes soient faits, bah ton casque s'active pas. Donc du coup, tu peux sortir avec. La compétence de Kate, dans ce que j'avais dit. Donc là voilà, je vous ai fait visiter la meilleure RNG sur Springwood. Vous pouvez pas rêver mieux en termes d'RNG, hein. C'est le best du best. Des palettes toutes les 2 secondes, des connexions de loop de partout, c'est ubuesque, j'ai envie de te dire. C'est vraiment ubuesque. Après j'ai déjà affronté un Blight sur cette map, on a fait 0 gen, il a 4 kills. Hein. Mais bon c'est Blight, hein, c'est différent, il avait la fiole, bag. Sortez dès que vous pouvez. Toi elle te suit, elle me suit accroupie. Ok ok, bah moi je vais ouvrir la porte et sortir du coup. Pour forcer les autres à faire de même. La porte, il y en a une en face et l'autre à gauche. Ouais, c'est vrai qu'il faut qu'on sorte. Le problème c'est que moi je veux bien sortir instant, hein, ça me dérange pas. Le souci c'est que les 2 Gugus, enfin les 2 PU, je suis pas certain qu'ils comprennent qu'il faut sortir.
pas certain qu'ils comprennent. Salut Nisaki, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ils vont pas piger qu'il faut sortir. Ah ouais, c'est bon, tente le casque. Non, protégez. Voilà, le casque, on protège bien. Encore? Ouais, les 2 secondes, on a trop bien joué là-dessus. Bon, peut-être que tout le monde va mourir, mais franchement, c'est honnête. Rien à foutre, au moins c'était marrant. On a fait ce qu'il fallait. Bon, tout le monde va crever, hein. Mais c'était fun. Voilà, c'est. Puis tant mieux, si elle fait un 4 kills sur cette map, tant mieux pour elle, tu vois, la pauvre, elle a passé la pire game de sa vie, je suis pute. Parce que là, vraiment, c'était la pire game de sa vie, à n'en pas douter, hein, c'est clair et net. Donc tant mieux si elle réussit à s'en sortir, à faire 4 kills, c'est bénef, c'est cool pour elle. Moi, ça me dérange pas. À la Néa de tout rework. Comment vas-tu faire, jeune Néa? Tu n'as pas le droit à l'erreur. Comment vas-tu te débrouiller, Winox? Et t'as fait l'erreur, dommage. Et t'as pas des dards, donc t'es foutu. Ah ah, tristesse, hein. Bien joué. Moi, ça me fait plaisir qu'elle fasse 4 kills, c'est pas grave. Je préfère qu'un tueur comme ça, qui vraiment est tombé sur la pire map possible et imaginable en pig, par rapport à son gameplay, hein. C'est-à-dire son gameplay, de suivre quelqu'un toute la game, tu peux pas gagner comme ça, tu feras jamais rien avec ça. Ensuite, bon, elle a appliqué la méthode sombre que toutes les pigs appliquent, qui est assez triste, où tu te mets accroupi, tu suis quelqu'un juste pour que son casque le tue. Bon, ça, c'est un peu... Voilà, c'est triste, mais c'est normal. C'est un peu la seule arme qu'elle avait, tout simplement. Tu sais que je suis presque convaincu qu'il va y avoir un 4%. Oh, ah oui, les deux crochets côte à côte ici, c'est nécessaire. Mais après, c'est ok, je me dis, c'est normal qu'il y ait les deux crochets côte à côte. Vous avez vu le nombre de palettes qu'il y a dans la map? C'est abusé, donc tant mieux qu'il y ait deux crochets côte à côte, parce que sinon, c'est n'importe quoi. Donc là, ça compense, même trois crochets côte à côte, ça compense. T'es ok, tiens, là-dessus, j'accepte. Ouais, il a pas quitté, tu sais, il s'est pas démonté, il s'est dit, let's go, on va essayer quand même et tout. Il a bien raison. Non mais moi ça me va, tu vois, la map, au moins ça équilibre, je trouve, il allait faire un 4 kills, tu vois, ça équilibre le truc. Parce que, bon, la map, clairement, t'as vu, moi je les loupe 5 gènes, après bon, les commentaires YouTube, il y en a sûrement qui vont me dire, mais Sopalin, tu n'as pas loupe 5 gènes, parce que quand tu étais accroché, eh bien tu étais accroché, il restait 2 gènes à faire. Donc c'est pas, t'as pas loupe 5 gènes. Ouais, mais bon, le temps qu'elle m'accroche, le temps qu'elle aille sur une zone et qu'elle revienne, eh ben au final elle a continué à me suivre, et les 5 gènes se sont faits alors qu'elle était sur mon cul, donc... C'est-à-dire que j'ai permis de faire les 3 gènes avant d'être accroché. Ensuite, il y a un gène qui s'est fait pendant que j'étais accroché. C'est pareil, même si c'est pas moi qui loupe. Bah voilà, c'est quand même un loop 5 gènes. GG, well play. GL next one. Moi, ça me fait. Je préfère largement qu'un tueur comme ça fasse son petit 4 kills. Ça lui permet de se réconforter sur la difficulté de la game. Plutôt que, je sais pas, un gars qui va. Il va full slug tout le monde et attendre que tu crèves du slug. Voilà. Même si effectivement, hein, s'accroupir, c'est. Le faites pas en piggy, hein, de vous accroupir pour que le casque il redescende et tout. Après, c'est le gameplay, c'est comme ça qu'elle se joue, piggy. Je veux dire, à partir de maintenant, enfin, depuis qu'ils ont rajouté une boîte, mais. Parce que, avant, les gens le faisaient déjà, mais là, les gens le font parce que c'est un peu leur seule arme. J'ai déjà cette pig, hein, tu vois, qui a réussi à réaugmenter les stats de la pig en duo queue, qui était vraiment exécrable, je crois. Donc, j'ai joué le play, mais bon. Moi, j'ai kiffé ma game.